Les petits, la cargaison. Mais qui êtes-vous? Nous sommes le gang des pieds nous. Allez, passe-moi la cargaison. Mais je n'ai pas votre cargaison. Alors, Dieu va t'étouer. Oh non! Mais non! Ouf. Maintenant, qu'est-ce que je vais visiter? Ça m'a l'air bien. Oh non, mais fou, j'en ai marre de ces vacances nues. Je suis obligée de rester chez moi parce qu'il pleut. En plus, je dois regarder des vidéos nulles là. Quelqu'un, putain, c'est nul mes vacances, il pleut. Ouais. Oh, Tristan, et qu'est-ce que tu fais là? Ah bah, je suis arrivé, j'ai créé un continuum espace-temps. Et du coup, eh ben, j'ai avancé les vacances. Attends, du coup, je mets sur pause sur cette vidéo nulle. Mais c'est la mienne. Ouais, mais nous sommes à la fin des vacances, du coup, maintenant, puisque j'ai créé un continuum espace-temps et parce que c'est n'importe quoi. Ah, du coup, on peut aller faire un What the Cut 39. J'avoue. Look at in town, never settle down. She loves chasing the dogs around. Ouf, c'est la magie du cinéma. Oui, alors aujourd'hui dans The What the Cut, on va parler de ses vacances et de mes vacances. Alors en premier, on va parler de ses vacances et le thème c'est l'Italie écrasée. Oh. Et c'est tout de suite. Eh oui, je suis allé en Sicile, un pays merveilleux où avec des vagues, il fait super, 40 degrés. Oui, c'est chaud, il fait très chaud et il y a surtout plein de volcans actifs où tu peux mourir à chaque fois que tu y vas. Et en premier, je vais vous parler du premier volcan que tu allais voir, c'est-à-dire Vulcano. Un volcan magnifique, mais ça puait énormément sur cette île magnifique. Et on pouvait prendre des bains de boue, j'ai pris des bains de boue, c'était bien. Et puis allez, je suis allé sur le Vulcano. Et oui, c'est un magnifique volcan où tu peux aussi mourir parce que t'es obligé de porter des trucs là, tu vois, sur ton visage pour pas sentir les fumées parce qu'il y a des fumerolles qui sortent et c'est très toxique. Du coup, vous devez faire très attention. Et après, il n'y a pas de lave sur ce volcan, mais on y viendra après à la lave parce que on aime la lave, tu vois, ça brûle, ça fait mal, tu peux mourir. Et du coup, on aime ça, on aime quand les gens ils meurent. Et une fois arrivé tout en haut du Vulcano, eh ben, on avait une vue magnifique. Et bien sûr, il fallait redescendre après parce que c'était quand même une bonne heure de marche. Monter et descendre, du coup 2 heures. Sinon, on a bon, c'était bon, il y avait de bons restaurants et les bains de boue c'était bien. On va passer au prochain volcan du nom de Stromboli. Stromboli, à Stromboli. Stromboli. Et donc, on est allé sur le Stromboli de nuit parce que c'est un endroit magnifique, voilà, avec de la fumée mais surtout de la lave. Oui, il y avait de la lave de nuit, c'était magnifique. J'adore le concept, même si je sais pas ce que c'est, je reconnais le concept. Et oui, la lave, de la lave, et on a regardé ça pendant une heure, et en même temps qu'il y avait de la lave, et ben il y avait une éclipse lunaire, tu te rends compte? Une éclipse lunaire en même temps qu'il y avait la lave. Attends, c'était un spectacle magnifique. Puis on est redescendu d'une nuit dans un truc super pointu comme ça, et du coup on s'est pris plein de trucs dans les pieds, ça faisait mal, et on était fatigué, et après on a dormi. Et surtout voir de la lave en vrai, je vous passerai bien des images, peut-être, ouais, peut-être, on sait pas, voilà. On passe au prochain volcan. Du nom de l'Etna. Alors l'Etna, c'était très haut dans la montagne. Ouais, c'était très haut dans la montagne, vraiment très haut, très haut. Et tout en haut, eh bien, il y avait tellement de fumée qu'on voyait rien. On était en brouillard. Et du coup, on était obligé encore de mettre des trucs. On aurait pu mourir, hein, d'asphyxie comme ça. Et il faisait très chaud aussi. Et puis après avoir vu cette fumée, on a filmé des trucs comme ça. Bon, on est redescendu. Et quand on était en train de redescendre, il s'est mis à pleuvoir des grêlons, mais de cette taille, ça faisait super mal. On se faisait tirer dessus comme ça. Pouf. Voilà, ça faisait très très mal. Très mal. Et puis, il y a eu plein d'aventures, on a fait plein de choses. Mais puis, et oui, on est rentré en bateau, parce qu'on avait un bateau pour rentrer, parce qu'on doit rentrer en Italie pour rentrer en France. Et oui, c'est logique. Quand on est arrivé avec le bateau, et ben on devait prendre un pont. Et c'était le fameux pont de Gênes. Et du coup, on aurait pu passer dessus, et du coup, mourir. Et c'est dommage, ça aurait été trop bien que tu sois mort, comme ça on aurait pu prendre ta chaîne.
Oui, en effet, j'aurais pu mourir quand même. Quand même, c'est un peu la folie. Enfin, ça fait peur. Imagine, on était arrivé quelques heures plus tôt. On serait passé sur le pont et bam, on serait mort. Et du coup, on a dû faire le tour et on a vu le pont cassé. C'était pas beau à voir, parce que voilà, on a vu ça aux informations sur le bateau. Bonjour, Azerki. Du coup, ça faisait un peu peur. Voilà. Du coup, là, je vous ai parlé un peu de ce qui s'est passé en Italie. J'ai résumé, hein. Voilà, parce qu'il s'est passé d'autres trucs, mais c'est déjà pas mal. C'était des choses un peu étranges. Et maintenant, quelqu'un que vous connaissez un petit peu va vous parler de ses vacances. Alors lui, pendant que lui était à la plage, se dorait la pilule, faisait chaud avec ses volcans, a vu des gens morts, ce qui est vraiment cool. Moi, j'étais en Bretagne, le pays de la pluie. Ouais. Oui. Maintenant, pousse-toi, c'est à moi de parler de mes vacances nulles. En parlant de mes vacances nulles, alors moi, j'étais pas en Bretagne quand j'ai vu l'éclipse, mais voici une photo de l'éclipse. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans toute la France. Dans toute la France, il n'y avait que des nuages. Voici une photo prise par moi-même. En vrai, c'est totalement faux, c'est juste une photo prise par Internet. Je l'ai vue 30 secondes, la lune était orange. 30 secondes après, elle n'y était plus, hein, donc voilà. Fuck la vie. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ça va, mon ami? Il y a tout le monde de la chaîne qui se fout de toi en fait, parce que ça fait tellement de vidéos que t'es pas à Paris, tout le monde s'en moque de toi. Mais c'est pas gentil ça. En fait, tu viens de là-bas, donc tu as retourné. Tu as retourné dans ton pays nul, et moi je vais parler de mes vacances nulles. Chut. Je suis fan de vous. Chut. Ok, un petit autographe quand même, hein, parce que je suis une star. Alors pendant mes vacances, j'avais pas forcément d'amis, puisque je suis allée chez mon cousin et ensuite je suis partie en Bretagne, mais j'avais des meilleurs amis, les moustiques. J'ai actuellement 400 piqûres de moustiques sur mon corps. Sauf que je me gratte, du coup ça fait une cicatrice. Que je me regratte, du coup ça fait une autre cicatrice. Et quand je serai un vieux pépé, j'aurai 40 000 cicatrices de moustiques. Dis merci qui? Donc, je vais te parler des vacances chez mon cousin. Oui, parce qu'on va pas parler que des vacances de la Bretagne. Oh, haha, c'est drôle, Azerti a passé des vacances nulles en Bretagne. Haha, c'est drôle. Arrêtez de claquer les pentes dans cette baraque. Et tout de suite, un mini au cinéma avec Tristan. C'est le mini au cinéma avec Tristan. Je vais vous parler des Indestructibles 2. Et bon, voilà, parce que je suis parti faire caca, du coup, là, je suis en mode. Et en fait, au Québec, c'est les Incroyables 2. Je suis parti faire caca parce que c'est un caca constipé, du coup, je l'ai pas fini. On se retrouve jamais. Donc, 14 ans. 14 ans pour qu'il soit créé, ce film. 14 ans. Enfin, 14 ans parce que le premier est sorti il y a 14 ans, mais pour faire la suite, ils vont attendre 14 ans. Gros, mon âge, oui, c'est lent. Et donc, est-ce que ce film est bien? Oui, il est super bien, trop bien, très génial. À part la fin, parce que la fin, elle est trop brutale, et il est bon, voilà. C'est un peu une fin classique, hop, bizarre, méchant. Oui, désolé, il spoil, mais bon. Après, sinon, le reste du film est trop bien, mais bon, la fin. Après, il y a beaucoup de développement de personnages, genre Frozen. Les stickers, voilà. Et ça, c'est bien le point de personnage. Mais par contre, il y a des gens qui ont totalement changé, alors que normalement, le film se passe juste après. Voilà, juste après le premier film. Voilà, du coup, c'est allé vite. C'était un mini, très très mini, au cinéma intéressant, comme la vidéo sur le dernier What the Cut avec Crowman. Et allez voir ce film parce qu'il était trop génial. Et on aimerait bien avoir un 3 qui sortira dans 14 ans aussi, sûrement. Hein, ouais. C'était un mini au cinéma avec Tristan. Ah oui, pendant ces vacances, pour aller en Bretagne, je me suis arrêtée à Angers, et oui, la deuxième ville des youtubeurs. Même si la Redbox n'est pas à Angers, elle est un petit village à côté qui s'appelle Beaucouzé, c'est là où j'ai dormi à l'hôtel, et donc j'étais à 3 km de Redbox. Et tu crois vraiment que je vais faire 3 km pour voir des youtubeurs dans une pasta box qui sont en train de faire des vidéos? Ben non, parce que de toute façon, on peut pas y rentrer tant qu'on n'a pas d'invitation. Du coup, vaut mieux regarder une vidéo YouTube. Du coup, c'est ce que je fais. Ma vie est cool! Et ceux-ci sont des souvenirs de Bretagne, voilà. Donc j'aurais bien voulu dire d'autres choses sur mes vacances, mais tout de suite, on va passer à la nif pourrie de Tristan. Putain, il m'a invité, c'était vraiment relou, c'était l'anniversaire le plus nul de ma vie. Voilà. Lol. Tout de suite, nous allons resimuler l'anniversaire de Tristan, comme ça vous découvrirez les cadeaux et ses vraies expressions durant l'anniversaire avec BFOT. Petit placement produit pour sa chaîne, ça lui fera plaisir. C'est cool ça. Yes. Ouais. Yes. Ouais. Yes. Ouais. Yes. Ouais. Yes. Tu sais, j'en ai vraiment marre de toi. Ça fait des mois qu'on n'a pas eu notre émission. On a eu qu'un épisode. Ah d'accord. Je te déteste. Tiens Tristan, je te ramène ton cadeau. Ah merci, ça a l'air bien. Ouais. Alors voyons voir. Ah
Ah oui, le film de Tim Burton que j'ai déjà vu 40 000 fois. Ça a l'air super bien, franchement. T'as mon cadeau ou pas? Oui, c'est le meilleur cadeau. Cette fausse réaction de voir. Wow, il est trop bien. Il n'y a pas changé. Merci. C'est quoi le nom du film? Batman le défi. C'est un super film. Oui, de Tim Burton. D'ailleurs, tu feras une critique sur ta chaîne, hein, parce que je sais que t'aimes bien le cinéma. Oui, bien sûr. Tristan, regarde, je t'ai mis ton cadeau. Mais il est où le papier cadeau? Ah ouais, c'est ça que j'ai oublié. J'ai oublié quelque chose. Bah c'est bien, encore un film de Batman, que je crois que j'ai pas vu celui-là. Mais merci, hein. Ouais, t'aimes bien, hein? Ouais, c'est bien. Ouais. Vas-y. Tu feras une critique, hein? Oui. DVD, tu me fais des critiques, oui, dessus, hein. Oui, bien sûr. Hey, salut, j'adore les masters. Bon, j'ai pris le casque de ton pote là parce que j'ai rien trouvé d'autre. Et puis de toute façon, lui aussi il avait pas de papier cadeau. Bon, tiens. Merci. C'est des westerns. Ah ouais, bah merci de me spoiler. Alors, ce film, franchement, ça sert bien. C'est le bon, la brute et le truc. Ouais. Et ensuite, on a ce film. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air. Oui. Ça a l'air. Oui, non, mais ça a l'air super bien. Ouais, j'avais oublié ça. C'est une figurine de Batman. Quoi? Non, pas encore Batman, j'en ai marre. Mais en fait, ça ressemble un peu à un personnage de western qui a une cravate, du coup je te le donne. En fait, j'ai pas la boîte parce que je l'ai trouvé par terre dans la rue. Du coup, tu vois. Merci. Bah, je vais l'appeler Ravienne alors. La référence aux anciennes vidéos. Ouais. Hey mon petit Tristan, comment ça va? T'as déjà 14 ans, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Là tu sais, moi je viens de toi quand t'es sorti mouvante, tu sais, tu courais partout, t'étais tout nu, enfin t'as couru partout quand t'es sorti mouvante. C'est gênant. Aussi la vidéo, tu te souviens là où t'as ouvert tes cadeaux? Oui. Quand t'avais un an, t'étais tout nu, ah c'est trop marrant. Ah oui d'ailleurs, on pourra la montrer. Donne-moi le cadeau, vite. Je viens d'aller dans ton slip quand t'avais 2 ans. Enfin il est un peu grand, mais. Oui, c'est. T'avais déjà les grosses fesses. D'accord. Lourd. Game of. John! Merci. Un petit câlin à maman? Ah non! Hein? Ah. Bon, les copains, petit bisou à maman! Même pas de bisou à maman! Tu sais, maman, elle va te reprendre le cadeau! Non! Pas Game of Thrones! Et puis tu reviendras dans 2 ou 3 ans parce que pour l'instant t'es trop petit, hein! Ah! Au revoir, les amis! Et puis après, quand Tristan il va faire sa sieste, hein, parce qu'il fait toujours sa sieste à 14 ans, je vous montrerai la petite vidéo où il ouvre les cadeaux tout nu, hein! Mais peut-être si on recommençait notre émission différemment, pas fou! Ça attirerait plus de monde! Eh, hey, salut YouTube, c'est Azertir, on commence, voilà, comment ça va la France? Tiens Tristan, mon poteau, je t'ai ramené merci. Le cadeau, là. Je pense que ça va te faire plaisir aussi, hein. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà deviné, à mon avis, c'est Jon Snow de Game of Thrones, à mon avis, je dis ça. T'as regardé le cadeau? Non, j'ai pas regardé le cadeau, mais comme je suis devin, voilà, bon, voilà. Ah bah, franchement, je suis étonné. Et à la différence des autres, ben tu vois, les autres, ça me faisait un peu plaisir, mais toi, ça me fait pas du tout plaisir. Mais non, c'est une blague! Oh! Oh, il est mort, mais c'est pas grave, je vais prendre sa chaîne YouTube! En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu vas. Ah bah non, en fait, c'est pas ça le truc. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Tristan, en fait, il y a que les cadeaux de Game of Thrones qui vont plus. Non, mais pas du tout, moi j'aimais bien aussi un peu les autres cadeaux. Ouais, mais bon, même ma figurine, quand je te l'ai donnée, t'étais. Ouais, une figurine de Game of Thrones, mais je sais pas à quoi elle ressemble parce que j'ai lu que les livres, super! Donc voilà, vous remarquez que le décor s'est tout cassé, parce qu'en fait, dans le décor, il y avait ses cadeaux. Du coup, en fait, ça vous a spoilé. Mais comme vous savez pas que c'était ses cadeaux, ben, ça vous a pas trop spoilé non plus. Ah, ça explique tout. Voilà, donc c'est la fin de ce What the Cut. Hashtag 39. Qui était pas terrible. Pas terrible, hein, mais c'est quand même drôle. Enfin voilà, c'est What the Cut de Tristan Yazerti. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut. Salut Yazerti. Je suis rentré de Sicile, salut. Enfin. Et. C'est qui cette personne? C'est le collectionneur. Oh non, ils ont compris la supercherie. Ils ont compris que j'étais le collectionneur déguisé en Tristan. Téléportation. Ah bah j'ai rien compris à la fin, mais bon, de toute façon c'est ta vidéo, donc tu fais ce que tu veux. Puis moi, peut-être je vais partir en Sicile. Ah. Eh bien, je pense qu'il est temps que je reprenne une pause sur YouTube. Dis-moi ça. Ne me dites pas que c'est mon chapeau de Sicile.